Le lancement d'un vaste programme de désinfection, de dératisation des édifices publics de la localité de Ntoum, une opération qui vise toujours à lutter contre le Covid-19 et c'est une initiative des responsables municipaux de Ntoum. Georges Kambila Kambila. La lutte contre la Covid-19 continue ici dans la commune de Ntoum. L'équipe de cette municipalité procède à une opération de dératisation et désinfection des édifices publics pour contenir la propagation du coronavirus. Un vaste chantier dont cette phase concerne le premier arrondissement de cette localité. Il s'agit ici de faire en sorte que la lutte contre la propagation du Covid-19 dans la commune de Ntoum soit évidente. Cela dit en d'autres termes que c'est un vaste chantier, parce qu'il s'agit de tous les édifices publics. C'est fastidieux, mais c'est important, très très important dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Ce programme qui vise à limiter la contamination de la Covid-19 a vu la participation des services d'hygiène provincial de l'Estuaire. Ntoum ne va pas rester en marge comme les autres communes le font déjà dans la lutte contre le Covid-19. Nous avons été instruits par M. le maire de suivre, d'emboîter le pas comme les autres populations dans les autres provinces dans la lutte du Covid-19. Nous sommes pour la désinfection et l'opération de lutte antivectorielle. Adopter de bonnes pratiques pour éviter la maladie, tel est le souhait ardent de cette équipe municipale qui multiplie des actions allant dans ce sens pour protéger la population de cette pandémie.